Bonjour et bienvenue à cette série de Resident Evil Village. Je vous souhaite un bon visionnement. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Le calice des géants. J'ai l'impression que je me fais jouer depuis le début, moi là. Ça mène où ça? Ah! Est-ce que j'étais censé... Miranda. Putain, mais ok, mais il voulait toutes les éliminer. Mia? Mia? Pourquoi qu'il y a une photo de Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Juste un peu, là. Tu comptes m'éliminer comme les autres. Comme ça, tu pourras sauver Rose, c'est ça. Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan! Désolé. C'était quoi ça? Assieds-toi. Non. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Tu es imbécile de s'asseoir là? Il va me pitcher en bas, c'est clair. Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! C'est clair qu'il me pitche en bas, là. La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place. Allez vous faire foutre. Il est plus ça. Tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Pourquoi? Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Ils vont me lancer en bas pour que je le pète. Parce qu'il va leur faire, je sais pas ça. Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Et voilà. Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Il va me couper la main. Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que le... What? Une vraie joke, là. Donc, où c'est qu'on était rendu? Ben, c'est bon, on avait testé ces boutons-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ok. Il n'y a absolument rien à l'entour du duc, mais j'ai rien à acheter au duc non plus. Ok. Ah, il y a une porte, là. On avait regardé la porte qui est là, qui me donne dans un corridor. Il y a une autre porte, là, que je ne sais pas où ça mène. Quatrième sous-sol matériau. Ok, fait qu'on est de... Ok, c'est de où ce qu'on arrive, ça, dans le fond, le quatrième sous-sol matériau. On va aller voir cette porte-là. On va juste voir pour le fun. Oh! La ferraille! Comme si, hein? Est-ce qu'il y a le plus important? C'est ça, ici. On a découvert la troisième mécanisme avec les balles. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la quatrième, la dernière, avec la dernière, le dernier cristal dedans. Ce qui peut être intéressant pour s'acheter une arme au duc plus tard. Y'a-t-il autre chose ici à part une table? Ah, y a des fluides chimiques. Absolument rien. À part si je peux briser ça, je pense pas.
Et là, vous allez me voir jongler un petit peu avec les boutons. On joue plusieurs jeux d'affilée. C'est le marais, le duc est en train de souffrir le martyr à l'autre bout. Tout le marais qu'on peut briser ici, à part qu'il y a une table. Que je ne peux point savoir à quoi qu'elle peut servir. On va oublier ça tout de suite comme elle est faite. C'est des trucs en métal, ça c'est sûr que ça peut pas ouvrir. Ok. Fait que là, si on regarde la map, ouais, exactement, il manque quelque chose à obtenir là, mais c'est clairement en rapport avec ça ici. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, il y a peut-être de la ferraille là-dedans. Non, ici non plus, non. Fait que c'est vraiment le labyrinthe qui nous manque à éclairer pour que la map soit clear. Ok, donc là, si je regarde, ça c'est un magnum, shotgun, on va remplir nos balles, toujours important d'avoir nos balles bien pleines. Le sniper. Et notre gun. Ok, fait qu'on est prêt pour l'action. Let's go. Je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir ici à explorer. Il a dit qu'il souffre en maudit. Ah, on les entend, hein. Il y a clairement une coupe qui va arriver au bout ici du corridor. Hey boy, on n'a pas l'air d'être ça. Ok, c'est l'autre bord de la porte qui est là. La porte noire, parfait. Il n'y a rien d'autre à prendre là-dessus. Et rien ici non plus, mais il y a clairement des monstres qui m'attendent en arrière de cette fameuse porte. C'est sûrement ce qui verrouille la porte, ça a l'air facilement destructible. Et c'est parti. On va s'entendre, c'est pas les zombies les plus durs à tuer du jeu. Et encore j'ai mis un peu. Oh nice, une plante, ok, cool. On en a déjà deux, je ne créerai pas autre chose de ce style-là. Je sais pas, non, je vais attendre d'avoir des pour d'autres styles de munitions. Ok. Ça n'a pas été super ben compliqué à éliminer. Attendez, pour être franc, il y en a beaucoup plus que deux sortant en arrière de cette porte-là. La manière que le bruit faisait. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. Okay, fait qu'il y a une manière de repartir le courant. Ça, c'est verrouillé probablement de l'autre côté. Elle a le même mécanisme que ce qu'on vient d'avoir sur l'autre porte. Il y a quelque chose là en haut, mais je peux pas l'atteindre tant que j'ai pas de courant. Fait que ça me donne absolument rien de le faire tomber. Juste là, là. Si vous le voyez briller, là. Il y a quelque chose juste là. Fait qu'on n'atteindra pas ça tout de suite. On n'a rien de gaspiller une balle là-dessus pour l'instant. Faut que je reparte le courant ici pour pouvoir avoir accès à ça. J'imagine que lorsque je vais avoir le courant, la plateforme du milieu va monter. Oh, hello! Ah, les moitiés vont monter là-dessus. Bon, on va leur péter ce qu'ils ont sur la tête, et j'ai aucune idée c'est quoi. Il y en a un qui est parti par là. Pourquoi il est parti par là? Il peut même pas passer par là. Il est vraiment resté jam là. Ah, il a essayé de muter. Ok, ça c'est une belle balle. Entre les deux yeux. Je sais pas pourquoi il est resté jamais là, lui. Ouais, on va le prendre à notre avantage pour vrai. Ça arrive tellement peu souvent qu'on a un avantage dans ce jeu là. Ok, il y a une coupe d'affaires à ramasser. Coupe de boîte à préviser, des munitions de sniper toujours utiles, on est full, là je commence à manquer de munitions de pistolet, je vais ramasser une ferraille, right? Ouais, mais pas assez encore. Ok, ça s'en vient, ça s'en vient. Oh! Genre de chambre où ce qu'ils faisaient les tortures pis tout ça. Hey, salut Unlocklake, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe pour le oh my god? Dragé. Fait que là, il faut faire fondre de quoi probablement? J'ai aucune idée quoi, mais il faut faire fondre de quoi?
Ouais, il nous faut du moule pour l'utiliser. Ok, ça c'est cool. Ah, j'ai give up ma game de... ça a pas été facile. Puis c'est clairement ça qui va interagir ici, le truc qu'on va faire fondre. Il est verrouillé de ce côté. C'est encore rouge. Probablement parce qu'on peut interagir avec le truc en plein milieu. La fonderie, ouais. Parce que sinon, je vois pas qu'est-ce que je peux ramasser. Sinon, il y a peut-être quelque chose à ramasser en arrière là, mais je peux pas y avoir accès tout ça. À terre, il n'y a absolument rien à ramasser. Dans les airs, ça glow pas nulle part. On va continuer. On va y revenir anyway. Hey! Un autre de nos amis. Oh wow. Ah, oh, il y en a quoi ce point-là? Ok, c'est bon. Good. Reste 8 tours, 3 investigateurs à un moment, 2 derniers 8 tours que j'ai fait. Ici, un instant event qui pop pour Shadow. Oh boy. Bonne chance. Bonne chance. Il me faut des balles. Hein. Un quartz jaune. C'est mieux que rien. Ok. C'est pas grave. Ok. Ouais, vraiment. Ah, y'a pas de trouble, y'a pas de trouble. On prend pas en compte ce qui s'est passé, c'est correct, je comprends. Pour ça, j'ai autorisé le massage, y'a pas de problème. Mais... Je peux-tu créer des balles? Oui! C'est juste 15 balles, c'est pas gros. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. Encore une fois, je suis coincé par le courant. Ok. Oh! Ok, ça c'est ça. Genre de dude avec une chaîne ça en plein milieu. Là. Pas trop sûr que je vais avoir affaire à ça tout de suite. Un peu, je sais ce que je vais faire par rapport à lui. C'est sûr qu'il se lève, man. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui. Ah, c'est Heisenberg qui a fait ça. Mais c'est quoi ces bras de fou? Je le sais pas. Je le sais pas. Mais c'est Heisenberg qui a créé ça, c'est sûr. Moi, je m'attendais à ce qu'il se lève. Je m'attendais à me battre. Anyway, je peux retourner sur Stark quand je veux, là. C'est sûr qu'il va me sauter dessus à un moment donné, mais il a l'air tout attaché, mais peut-être pas. Un moule! Nice! C'est là qu'il va se lever, l'autre. Non? Faut que je me fasse pogner par ça, les présents je survivrai pas longtemps. Un cœur mécanique.
Ok. C'est un peu spécial, hein? Heisenberg est un peu cinglé. Non, j'aurais aimé savoir de la ferraille. Il y avait rien où ce qui était assis. Bon. C'était sûr qu'il fallait qu'on allait se battre contre lui pour les frais, là. C'était sûr, c'est sûr, j'étais écrit dans le ciel quand je suis arrivé dans la pièce, mais. Whatever. Ça n'a pas super d'importance. L'inventaire de ce jeu est plus sympa qu'Alien. Oui, oui, de loin. Alien, c'est un gros défaut du jeu, pour vrai. Pourquoi cette porte-là est pauvre? Mais oui, de l'autre côté, ok. Faut donner quand même au fait qu'Alien a été créé en 2014. Hein. Ben, il est sorti en 2014, du moins. Oh nice, le reliesse de cheval. Ça semble utile. C'est le truc de. C'est l'emblème de Heisenberg. Y'a pas un tiroir, je peux ouvrir. Je m'en fous que ce soit verrouillé depuis l'autre côté, c'est pas ça que j'essaie de faire. Il est où? Des pièces détachées, c'est pas ça que j'ai besoin, c'est de la ferraille. Le fil qui m'en tient là, ça. Ah, oh, une autre affaire qui est fermée à double tour. Un autre tiroir fermé à double tour. Ouh, les munitions de MacGum, c'est toujours utile. C'est quand même drôle. C'est un 6 coups, puis je peux pas en mettre plus que 5 dedans. Ça me prend une clé spéciale, la clé d'Heisenberg, probablement. Bon, on va continuer au shotgun. Clairement, des monstres en bas. As-tu lu le commentaire que Sam a fait sur Phasmo? Non, j'ai pas lu le commentaire que Sam a fait sur Phasmo. J'ai pas ouvert mon ordi à part là pour le stream. Je guess que ça peut me tuer, right? Ben voyons donc! Yay! Servir techniquement pour éliminer mes ennemis, right? C'est quand même brillant. S'il y en a un qui passe, je l'attends. Puis je tire à côté de moi. Crâne polycristallin. Bonjour, ça. Ouais, c'est de l'économie de bolette, mais ça. À part quand je tire à côté de même. C'est sérieux? Je pensais vraiment que je serais rendu au bord. Il est pas en hauteur.
Sont-tu essayé de passer? Je pense pas, hein. On va les essayer. Quelque chose de plus gros, me semble. Ça en vient. Ok. Bonne touche. Quelque chose, je me demande, ça se pète-tu, tu penses? Non. Oh, nice. Ok, j'ai ramassé pas mal de ferraille. On va faire 15 balles de ça ou 3 balles de ça? Il m'en reste quasiment plus. On va y aller avec le 3 de ça. Bon, on a passé cette bout-là. Qui m'était un peu comique à passer. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on l'a passé. C'est l'important. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là pour l'instant. Oh, il y a quelque chose là. De la ferraille. Est-ce que ça m'en redonne assez? Non, il m'en manque une. Parfait. Fait qu'il me manque de la ferraille, puis. De la ferraille. De la poudre si jamais je veux faire ça. Je sais pas où je suis. Verrouillé de l'autre côté. Coudonc, il y a bien des places que c'est le même que c'est verrouillé tout le temps de l'autre côté. C'est bien pas agréable présentement. Je retourne vers la fonderie, mais un étage plus haut, en gros. Ah ah ah! Well. Vous pensez que ça y fait mal? C'est un mec qui va se lever, lui, là. Tantôt, tu vas te battre contre eux. Ouais, ouais, c'est sûr. Je me suis déjà battu contre eux de la gang. S'en faire un petit peu. On va s'en faire un truc de même. Ça va bien, Milo? Si jamais il veut me sauter dessus. Toujours des bruits bizarres ici. Yes, good. Fais-moi ça. Fait que là, ça me prend une autre affaire pour faire fond. Ah non, quand on est revenu là. La forge est à un étage au-dessus. Il manque encore de quoi à trouver ici, puis j'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est quand même bizarre. C'est-tu en hauteur? Y'a-tu quelque chose qui chaîne en hauteur? Non, y'a peut-être d'autres choses qu'il faut que j'interagisse avec dans la forge. Ça, c'est un mur à faire sauter. Ok. Il est où? Il est là. Pipe bomb. Cartouche de fusil, toujours pratique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pièce mécanique, un cylindre. Ça fait quoi ça? C'est un objet clé ou c'est un. Ok. Fait qu'il y a un autre objet à ranger avec ça pour pouvoir avoir le trésor. Intéressant. Je m'attends à Claude qui se lève en haut à un moment donné là. C'est juste pas que. Toujours utile. On va avoir trois.
manque une pièce. Right. Et ça risque d'être mec qu'on mette la pièce là, que l'autre en haut va se lever. Ok. Clairement une place pour se battre contre l'autre bonhomme. Il n'y a rien là d'avoir en particulier ici. Une mime. Right. La poudre. On peut pas aller là parce qu'il n'y a pas de courant. Faudrait que je réussisse à trouver une manière de mettre du courant. Et celle-là est ouverte. Let's go. Viens là. Je peux-tu les péter ou. Je pense pas que je puisse les péter au couteau ces affaires-là. Yes, une économie de balles encore là. Ok. Oh! Combattant mécanique, les soldats, version 1.0. J'ai utilisé le cadavre d'un homme adulte. J'ai retiré le cœur et implanté le cadou. J'ai réussi à stimuler les muscles via des impulsions électriques. Aucune capacité cognitive élevée à cause de la mort cérébrale. N'agit que par instinct de destruction. J'ai équipé sa boîte crânienne d'un casque de contrôle. Les électrodes confirment que les ondes cérébrales sont stables. L'expérience. Combat contre délicat. Sujet démonté et dévoré en moins de 3 minutes. A des difficultés à détruire et à tuer. J'ai remplacé un avant-bras par une perceuse. La puissance n'est pas suffisante pour être efficace. Peut-être qu'il faut des. Qu'il me faut des corps encore vivants. J'ai implanté le réacteur Cadou dans le thorax. La puissance a légèrement augmenté. Expérience combat contre des licans. 3 licans tués en 1 minute. De bons résultats, mais quelques problèmes avec la solidité du réacteur. Peut arrêter de fonctionner si son réacteur est détruit. Fait que leur point faible, c'est le réacteur en plein milieu du corps. La roue dentelée pour pouvoir créer le. Pour pouvoir partir le générateur. Les cartes de l'usine inférieure, toujours utile. Encore de la poudre. Au moins, on va savoir où ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on n'a pas vu puis tout ça. Ouais, c'est ça, je voudrais ça. Ok, cool. C'est sûr que c'est bien qu'on parte le générateur là que. Un peu, là. Je suis un peu perdu. Okay, fait que la fonderie est par là. Ou c'est là qu'on va se battre. Mais là, il y en a beaucoup trop. Et voilà. Ok. Pouvais-tu être rajé là? Non, absolument pas. Good. Ça a pas été trop dur. Avec les bons équipements là, ça va toujours bien. Ok. Puis on est en train de forger la roue dentelée. Je pense pas que j'ai erré. Non, j'ai pas ramassé assez de trucs pour confectionner quoi que ce soit. La grande roue dentée va me servir à partir du réacteur. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à appuyer sur le petit pouce en l'air et à suivre la chaîne. Sur ce, passez une bonne journée et à la prochaine.